Bonjour John. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dimanche soir? T'as reçu un SMS de confirmation de notre rendez-vous dialogue avec lettres. Et Beaucoup de choses se sont passées dimanche soir. Déjà, dimanche soir, c'est Jean-Jacques qui a reçu un SMS de rendez-vous avec lettres. Jean-Jacques n'avait pas tout à fait compris ce qu'était lettres. Et. Oui, au départ, il avait rempli un email, enfin Il une avait inscription. validé une publicité parce qu'il se rendait compte qu'il voyait du sens dans la publicité. Ouais, il avait pris un rendez-vous il y a quelques mois ou semaines et il avait oublié. Il avait oublié. Et Lett le relance pour le rendez-vous avec Lett du dimanche Il avait 20h. quand même eu Jean-Jacques, la présence d'esprit de prendre le rendez-vous, puisqu'il Quand avait même, rendez-vous à ouais. 23h30 quand Ah même. oui, quand Donc même. il était quand même motivé à la base sur. Donc il y a des choses qui devaient lui parler déjà. Et Jean-Jacques, il pense que l'être était déjà présent. Donc il a. L'être est présent partout, de toute façon. Bah ouais. Et donc tu passes à l'antenne, finalement. Je passe à l'antenne, finalement. Hein, Sans trop y croire. sans trop y croire. C'est normal, tu connaissais pas. T'avais jamais vu l'émission, jamais fait de méditation du Non. dimanche, rien. Je ne connaissais pas Sébastien Sauchard. Ouais. Tu croyais que t'allais avoir un rendez-vous de clairvoyance avec Sébastien Sauchard, Oui, même, hein? d'ailleurs, et en privé, hein, parce que je me disais, ah, c'est son chauchard, il cherche de la clientèle, ce Ouais, qui donc il m'offre une session il privée. m'offre une session privée, donc j'étais ravi de pouvoir découvrir Sébastien Sauchard et de pouvoir avoir une session privée de clairvoyance. En fait, je pense que c'est le message de la clairvoyance qui m'a parlé. Puisque Jean-Jacques se sent clairscientiant et que la clairvoyance est vraiment quelque chose qu'il doit développer, qu'il veut développer. Et je pense que Jean-Jacques voulait expérimenter cette clairvoyance, enfin, voir comment ça se passait, quels allaient être les résultats, qu'est-ce qu'elle allait dire. Il voulait tester, Il voulait voir si ça tester. marchait, si ça Ouais, existait, qu'est-ce que c'est que ce voilà. truc. C'est Et ça. ça s'est passé comment alors dimanche, le Eh premier bien, passage? au premier passage, en fait, Jean-Jacques, il a donc voilà, il est allé avec l'intention de découvrir. Et au premier passage, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il s'est retrouvé dans une session. En fait, il s'est dit, mais c'est un peu complexe parce que je ne suis pas en direct. Enfin, je suis en direct, pardon. Alors qu'en fait, il pensait avoir une session privée. Donc, de fait, il s'est dit, bon, alors, ok, il y a beaucoup de monde, en fait, dans cette session. Et il pensait qu'il y avait quelques personnes, une dizaine de personnes, puisqu'il ne connaissait pas Sébastien Sauchard. Et donc, il s'est allongé, il a écouté quand même, voilà, il a fait confiance à Sébastien Sauchard. Il l'a écouté, il s'est allongé, il avait les yeux fermés, il s'est mis en état un peu modifié de conscience. Et ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, il a été touché en plein cœur. Par les réponses. Il a été touché en plein cœur. Pourquoi? Parce que la question qu'il a posée à ce moment-là était une question liée à ses multipersonnalités. Il pense, John se sentait, John, ça c'est C'est l'être. l'être qu'il aura découvert plus tard. Jean-Jacques se sentait alors en multipersonnalité, hein, post la schizophrénie, hein, mais. Non, non, c'est pas du tout la Ouais. schizophrénie, c'est qu'il y avait plusieurs voies de Ouais, sous-personnalité, c'est comme ça. tout le monde, hein, tout le C'est monde a ça. ça. L'amoureux, le contrôleur protecteur, le juge critique, le directeur stratégique, le directeur des partenariats, l'enfant intérieur, tout le monde a ça en fait, c'est normal. Et ils n'étaient pas tous d'accord avant, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Donc, Ils se battaient un peu effectivement, il entre s'est eux pour passé prendre le depuis beaucoup pouvoir. de chemin, mais à l'époque, ils n'étaient pas vraiment Enfin, à tous l'époque, d'accord. c'est une semaine. Et oui, alors ça, on va en parler justement parce que l'époque, pour moi, c'était à l'époque. Donc du coup, Parce que cette semaine, elle représente une évolution d'une éternité. Hein. Je ne veux pas faire de la pub à ce qui s'est passé dans cette semaine de stage avec Sébastien Bah, Sauchard et Lettres. tu peux Et faire de la si, pub. bah, je vais faire de la pub d'ailleurs. Mais attends, on va faire par étapes. Donc, dimanche, tu passes en dialogue avec l'être. Tu es touché par la Je suis clairvoyance. touché par la Et puis, un clairvoyance truc en extraordinaire plein arrive, cœur. qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent. L'être te dit, tu gagnes un stage gratuit, viens, demain. Voilà. C'est ça. Parce qu'il y a eu un feeling. Il y avait toutes les déesses ici dans la salle qui se sont connectées à ta voix et qui ont dit, oh, il est bien, il est sensible, il fait du tantra, homme sacré, etc. Et c'est très recherché puisque.
Moi, mon rôle, c'est aussi qu'il y ait 50-50 entre les hommes et les femmes. Et donc, et c'est réussi, puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes là dans ce stage cette semaine. Et du coup, il y a Orgasmia aussi qui qui me discute fait un un peu avec appel toi. du pied. Et puis finalement, comment ça se passe? Tu réfléchis et tu dis, je viens ou pas? Alors en fait, en effet, l'être m'invite et m'exprime clairement que c'est la première fois qu'il fait ça. Donc déjà, ça me touche aussi parce que c'est comme une forme d'attention. Alors après, on sait pas jusqu'où va C'est une l'ego, guidance. une guidance, en tout cas une guidance, un signe, une voix très tantrique justement, en l'occurrence Orgasmia, me fait également un superbe appel. Du pied, du cœur, du cœur. Oui, viens, viens, on va rigoler. Viens, viens. Et en fait, là, c'est comme une évidence. C'est comme une évidence. Je sais que je vais venir. Je sais déjà dans mon cœur Ah, ok. que je vais venir. Cependant, je ne sais pas ce que l'être me laisse le choix entre venir immédiat, enfin le lendemain, Ou dans une semaine. ou une semaine plus tard. Oui, il y avait quand même un choix entre 2 semaines. Et là, je dis à l'être à ce moment-là que il faut quand même que j'étudie mon planning Ben oui. parce que Et d'ailleurs, il me dit, ah, mais tu as une vie. L'être me dit, tu as une vie. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous invite à regarder le replay si vous voulez avoir tous les détails. Non, parce qu'il y en a qui sont très libres, qui sont à la retraite ou qui ont du temps. Mais toi, tu es en pleine activité Moi, je suis en pleine professionnelle. activité, dans un milieu du business, Oui, dans super busy. en super busy, Et le dimanche soir, tu tombes direction sur une émission un informatique. peu bizarre qui te dit Et de venir le qui me lendemain. dit de venir le lendemain, alors que je suis censé le lendemain avoir des rendez-vous téléphoniques avec. Des personnes du monde Travailler, quoi. réel, travailler. Donc finalement, Donc tu viens. finalement, je décide d'annuler tous mes rendez-vous de la semaine, d'annuler. Gratitude. d'envoyer le jour du 15 août, quand même, un email à mon chef pour lui dire bah écoute, demain, j'espère que tu auras le temps de valider mes congés, mais dans tout cas, demain, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Alors, j'espère que tu auras le temps de valider mes congés parce que je ne serai pas là. Et de fait, l'être a dû appeler aussi mon chef Ah, certainement. Pour lui dire de regarder ses mails le 15 août, jour de l'Assomption. Marie s'est élevée. Donc Jean-Jacques s'est élevé également. C'était le jour de l'Assomption. Ouais, c'était le jour de l'Assomption. Ouais. Tout le monde s'est élevé. Ah, c'est la crise spirituelle. C'est ça. Donc, et donc, tu Et arrives donc, en stage. Jean-Jacques décide, voilà, il prépare, voilà, le matin, il est sur son agenda, dès midi, il part. Il avait regardé au préalable s'il y avait des trains. Bon, il fallait 10h30, donc il a éliminé l'option train. Hein, parce qu'il était quand Il même est venu en voiture. Il est venu en voiture. Quand même, il en veut, hein. 5 heures. De voiture. Il en veut, hein. Ah, C'est il un. est très motivé. Hein. Quand même, il y a un appel, il y a un truc dans le cœur, quand même une capacité à suivre la guidance. Oui. Qui s'est retrouvé avec. Loïc, qui est venu de Martinique, oui, lui, en une semaine aussi. Et puis d'autres personnes, des fois, qui viennent du Québec. Ouais. Donc il y a quand même des gens Il y a qui suivent. Loïc en veut. D'ailleurs, avec Loïc. Il en veut deux. Bah, il en veut également. Et, et on s'est retrouvés cette semaine dans notre énergie commune, avec une histoire commune. Ah oui, c'est beau. Comme des frères, en fait. Hein, c'est ça. D'ailleurs, on nous a conviés, l'aide nous a conviés à interviewer tous les deux Sébastien. Tout à l'heure. Plus tard. Voilà. Donc, tard. Une vraie connexion avec Loïc, une vraie connexion avec Sébastien. Et des choses qui se sont passées en fait pendant le stage qui étaient d'une puissance et d'une force alors, magistrale. On va en parler jour par jour. C'était comment la première journée de stage alors? Oui. Parce qu'on fait des petits jeux par deux, par trois, les yeux dans les yeux, puis après une méditation. Alors que toi, tu n'avais jamais rien fait de. En plus, c'était la première fois que tu regardais Dialogue avec l'être. Ouais, c'est la première fois que je regardais Dialogue Parce que tu avais avec eu le rendez-vous. Voilà. Et. Oui, j'étais perturbé entre justement Sébastien qui était censé m'accueillir, l'être, etc. Du coup, je pensais que Sébastien avait des employés, que Ah. ses employés qui. Il n'y a pas d'employés. Voilà, il n'y a c'est que le nous, Sébastien, en fait. Employé d'être Non, c'était. Enfin, oui, il n'y a qu'un employé, c'est Sébastien voilà, qui est employé par l'être. Par l'être, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et qui est payé en nature, en plus. Il n'est pas du tout payé en argent. Ouais, en plus, il est payé en idées et en c'est du guidance, en fait. Hein. C'est du gagnant-gagnant, quoi.
C'est un abandon. Ouais. Ouais, c'est un abandon. Voilà, et la méditation, alors, mardi après-midi, on fait la première méditation. Mardi après-midi, première méditation. Dans cette méditation, Jean-Jacques s'abandonne, pour le coup, dans un espace énergétique. Oui, bah oui. Beaucoup des femmes sacrées aussi qui sont dans le lieu, un espace énergétiquement élevé ici, et aussi une guidance. Une méditation guidée comme nous faisons tous les dimanches depuis 6 ans. Pour nous, c'est classique, mais toi, c'est la première. Voilà. Et guidée par l'être à travers Sébastien. Exactement, Sébastien Canal. Ouais. Canal, il se passe que John surgit. Alors John, c'est quoi ? Alors John, c'est l'être de Jean-Jacques. Okay. L'être de Jean-Jacques et John, c'est amour. John surgit, ça devait être bizarre comme expérience. Hein. Comment ça fait ça pleure quand je me connecte ? Ouais. C'est la première fois que tu connectes l'être ? Alors, John existait déjà. Ah bah oui, je m'en doute. Jean-Jacques avait déjà connecté avec John, mais enfin, c'est pas que Jean-Jacques avait connecté avec John. Jean-Jacques s'était, par le passé, plusieurs fois fait remplacer par John dans certaines situations très spécifiques où Jean-Jacques voulait disparaître, où Jean-Jacques voulait avoir quelque chose de supérieur et jouer un rôle supérieur. Ok. Et il avait déjà expérimenté ça, mais sous forme de jeu, en faisant disparaître Jean-Jacques et en remplaçant par John et en donnant un pouvoir d'amour. Parce que souvent, c'était avec des femmes, en fait. C'était quand il tombait amoureux, peut-être. Oui. Ah bah, c'est exactement... quand il voulait jouer un rôle dans une soirée ou... C'est comme la série sur Netflix Sense8, je ne sais pas si tu connais. Non. Je t'encourage à la voir, c'est exactement la même chose. C'est l'idée que nous avons des doubles et que les doubles peuvent nous aider, en fait, quand nous en avons besoin. Donc c'est un petit peu ce concept. Ouais. D'accord, donc il est revenu, John. Et là, ce qui s'est passé aussi, c'est que John, il avait en tête à un moment donné qu'on l'a dit plusieurs fois, Jean-Jacques, c'est pas John là qui était en tête, c'est Jean-Jacques qui m'a dit plusieurs fois. Des personnes très éveillées lui avaient dit qu'elle ressentait un morcellement chez Jean-Jacques. Okay. Et Jean-Jacques, lui, il comprenait pas. Je suis entier, je suis morcelé. C'était les sous-personnalités, en fait. C'était toutes les sous-personnalités. Et lors de cette belle méditation, Jean-Jacques comprend que, en fait, toutes les sous-personnalités sont une forme de conseil d'administration anarchique. Exactement. Oui, plus ou moins anarchique. Et que chacun, en fait, a son mot à dire. Oui. Et qu'à la fin... son avis sur la question, son surtout. Son avis sur la question, surtout. Voilà. Et qu'à la fin, en fait, on a un réel problème parce qu'il n'y a pas de réelle décision qui est prise. Ou alors, si une décision est prise, c'est par le pouvoir. Et les conflits. Et les conflits. Exactement, par le pouvoir. Le contrôleur protecteur peut essayer de manipuler ou le juge critique peut manipuler les autres. Ouais, exactement. C'est vrai. Et en fonction de la situation, c'est peut-être pas forcément le même sous-personnage qui va prendre la décision, enfin qui va avoir le dessus. Des fois, c'est pas le bon qui est là. Oui. Par exemple, si t'es avec ta chérie et t'as le contrôleur protecteur qui arrive, c'est pas le moment. Il faudrait plutôt amener l'amoureux. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, les sous-personnalités, c'est très intéressant. Exactement. Et tant que Jean-Jacques ne maîtrisait pas ce concept de sous-personnalité, il n'avait jamais été confronté à ce concept de sous-personnalité, il était dans l'expectative c'était et surtout dans l'inconnu et surtout en défaut. C'était le bordel un peu. Voilà. Et donc cette méditation, il y a eu une défragmentation, comment tu dis ? Donc il y a eu une défragmentation de Jean-Jacques, donc c'est-à-dire chaque sous-personnalité dissolution pour déconstruire. Pendant la médite. Pendant la médite. Waouh, c'est top ça. Et apparition. Du patron de la boîte. Boss. Du boss. John. Qui c'est ? John. L'être. L'être. Et qu'est-ce qu'il dit ? John, lui, il tape du poing sur la table et il dit bon, les gars, maintenant. maintenant, vous allez m'écouter, arrêtez vos conneries. Nous sommes un. Nous sommes un et c'est moi qui commande. C'est moi qui commande. Voilà. Et le contrôleur protecteur, il n'a pas été inquiet ou... Parce qu'il y a normalement, il y a un système de résistance qui s'appelle le contrôleur protecteur qui veut rien lâcher, qui veut pas s'abandonner, qui aurait pu même t'empêcher de venir, en fait. Ouais. Et lui, il n'y avait jamais une résistance, un truc, une voix qui disait mais non, c'est pas pour toi, ou où est-ce que tu vas, tu le connais pas, blablabla, non ? Jamais alors, eu ça ? Alors, je pense que le contrôleur protecteur, il a tellement agi pendant des années
qu'il y a un moment donné aussi, lui, ce que je ressens là, comme ça, là, c'est qu'il commence à s'épuiser un peu. Il avait déjà lâché prise, en Ouais, fait, il hein. avait lâché prise. D'où le chemin spirituel, j'imagine, et puis l'idée de suivre la Ouais. guidance, parce que tu n'arrives pas comme ça à Oui, suivre la voilà, ouais, c'est guidance sans ça. un chemin avant, Oui, c'est complètement. Ça fait évident. quelques années. Donc, à force peut-être de tomber amoureux, il s'était peut-être un peu Ouais, dissous. il s'est un peu dissous, il s'est un peu. Voilà, il était un peu Ou sage. éculé ou ça ou plus sage ou voilà en respect de à un moment donné tu vois, tu as peut-être envie qu'il y ait un peu d'ordre comme il est contrôleur protecteur il a peut-être envie qu'il y ait un peu un ordre qui s'instaure Là, ce que je ressens, c'est que c'était déjà très éveillé, sans mettre les mots dessus. oui Parce que c'est pas possible de venir aussi vite, de réaliser tout ce que tu as réalisé pendant la semaine, on va en parler, sans qu'il y ait aucune résistance. C'est très très rare, hein. Toutes les autres personnes, enfin, qui viennent depuis des années, il y a toujours plein de résistances. Alors des fois, il y en a qui n'ont pas de résistance. La plupart ont des petites résistances, mais passent outre les résistances, comme tu as pu le voir dans les témoignages. Mais là, c'est quand même un cas un peu exceptionnel de, il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Un peu comme pour Sébastien, d'ailleurs. Sébastien, il n'y a jamais eu beaucoup de résistance. Sébastien, il n'a pas trop résisté à Oui. la logique du cœur, la Oui. logique de l'intelligence même, Ouais. une forme de logique. Tiens, il y a une guidance. Lire les signes, c'est quelque chose finalement qui était déjà Ouais. intégré, hein. Ouais, c'est Donc ça. ça, c'est intéressant. Et du coup, bah, la méditation, t'es parti. Le boss est arrivé, l'être. Et comment ils ont pris les choses, les sous-personnalités. Bah en fait C'est quand même un changement de direction, hein. C'est comme une boîte qui se fait racheter, hein. Alors c'est quand même une boîte qui s'est rachetée, mais je pense que l'être, en l'occurrence John, il a su être assurant. Il a D'accord. su Ah oui, être dans l'humain. il y a le leader John là Ouais, qui est apparu voilà, il a et qui parlé, a rassuré les autres alors. Voilà, il a rassuré Waouh, les autres, c'est il était beau. dans son côté humain, dans son côté leadership, dans son côté voilà, on va ensemble construire quelque chose de beau et on va s'élever et on va développer la boîte. Ouh, ça pleure. Ah là là, un vrai leader qui apparaît en fait aussi en Ouais. plus dans cette méditation. Ce que tu es vraiment, hein? Tu sens? Ouais. Il se passe quelque chose. C'est une interview qui, bah, le stage continue pendant l'interview. Donc, Je suis bien ici là. Je me sens à ma place dans cette oui. Après, le interview. problème, c'est partir. Et tout le monde a dit, oh, c'est dur de partir. Mais on va en parler et je pense pas que ça va être dur de partir pour moi. Ouais, bah tant mieux. Oui, parce qu'il y a des choses à Pourquoi? Parce faire. que voilà, parce qu'il y a il y a beaucoup de choses à Il faire y a beaucoup de choses à faire, il y a du d'ailleurs. boulot. Il va falloir commencer à entamer le processus qui est Donc ça retardé. c'est la deuxième journée, méditation. Ouais. Donc déjà contact avec l'être, c'est quand même déjà Très exceptionnel pour une fort, deuxième très journée. fort. Surtout si tu n'avais jamais fait de Ouais. méditation. Donc troisième journée, remédite. Alors, Oui. troisième journée, quand même, enfin, déjà dans la nuit, il se passe beaucoup de choses, hein, parce Ah bon? que, Qu'est-ce qui se passe dans la nuit? parce qu'il y a, conscientisation de tout ça. Eh ben oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça passe, tout ce qui s'est joué au niveau du cœur a été intégré en quelques heures, alors que d'habitude, chez Jean-Jacques, les intégrations se font en plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça s'intégrait plus Ouais, vite. intégrer plus vite parce que y a et ça a été le cas durant toute la semaine, le temps démultiplié par 10, 20, 30 Donc une journée, c'est comme une 30 journée, jours. c'est comme un mois, Oui, parce que nous vivons intensément. C'est voire pour plus, ça. Ouais, voire plus, ouais, c'est vrai. voire Une plus. journée, un mois. Ouais. Une journée, un Donc mois, 7 jours, 7 mois. 7 mois. Ah oui, donc c'est pas cher le stage. C'est pas cher le stage. Vu comme ça, c'est pas En plus, cher. comme Jean-Jacques était invité par l'aide, Oui, c'est encore. c'est un cas particulier. C'est un cas Mais t'as particulier. vu, du coup, que c'était pas Mais c'est un Jean-Jacques cas très alors. particulier, puisque, en effet, T'es un cas je pense particulier que quand même, hein. je pense que Jean-Jacques aurait pu venir. Enfin, comment dire, c'est plus une question. Jean-Jacques était dans l'abondance déjà. Oui, Et en fait, c'est il comme recherchait rien de si il spécial. recherchait rien de spécial, et plus moins il recherchait, et plus il obtient. Donc c'est Exactement, peut-être t'as tout pour compris. nos auditeurs, peut-être Ouais. aussi c'est un message de dire quand on Ouais. n'attend rien, on reçoit Exactement. et on Et dans est-ce que t'as vu l'énergie. du coup que t'étais pas Jean-Jacques ce jour-là? Oui, Mais tu le savais déjà un peu?
Ouais, en fait, je savais qu'il y avait d'autres choses qui se jouaient, et en fait, ça m'a permis de rassurer mon côté, et puis d'amener mon côté cartésien, puisque je suis ingénieur de formation Ouais, bah comme mécanique, Sébastien. Sébastien, comme c'est ingénieur télécom, c'est pareil. télécom, voilà, donc une formation commune avec des classes préparatoires, maths sup, maths spé, etc. Et de fait, un côté, un démarrage de vie très cartésien, et donc, du coup, à un moment donné, une formalisation, un formalisme, donc une pensée Structuration. structurée, une structuration, et c'est hyper important, c'était hyper important pour Jean-Jacques de structurer et Bien sûr. d'avoir ce schéma mental. Donc dans la nuit, conscientisation du fait que bah, il y a un boss, c'est John, c'est l'être, et ce conseil d'administration et toute cette structuration mentale. Et de fait aussi un désir le matin, dès qu'on a entamé le yoga, de prendre la parole en public pour annoncer à tout le groupe que John était arrivé pendant la nuit. Et ça, ce processus d'accouchement physique qui s'est réalisé face au groupe, c'est comme si bah, Jean-Jacques accouchait de John face au groupe, et l'accueil qui a été réalisé, qui a été fait par le groupe, waouh, a conforté en fait Jean-Jacques dans Le groupe était content, Ah, le était groupe était heureux, heureux, ouais. tout le monde était heureux. C'était un bel acte. Et alors le jour d'après, il se passe autre chose pendant la méditation? C'est plus calme? Le jour Mercredi? ouais, le jour d'après, alors le jour d'après pendant la méditation, il y a une autre conscientisation qui est pourquoi? Parce que la question c'était pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Et là, c'est une Sur conscientisation. Terre, tu veux dire? Non, non, je suis dans Dans le stage. dans ce Ah, d'accord. stage. Ouais. Ok. Et il y a une conscientisation que aussi ici, il y a compréhension du concept d'amour. D'accord. Ah oui, c'est vrai que ça revient souvent. Tout le monde me parle d'amour tout le temps. Ouais. Chez moi, c'est naturel. Mais il Ouais. semblerait qu'il y en ait plus ici qu'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup d'amour ici. Et en fait, John, Jean-Jacques à la base, et John et accompagné de John, était vraiment venu ici pour le cœur. Et c'est donc déjà cette découverte de John, et ensuite c'est la réconciliation avec le cœur. D'accord. Et même le cœur qui s'amplifie par rapport à tout le reste. Comme si voilà, il y avait eu un manque pendant des années, et du coup on va dans l'autre sens pour aller rattraper le retard. Et l'amplification par rapport au cœur est dans la rencontre avec un autre être, avec les autres êtres du groupe, et plus spécifiquement avec un autre être, l'être qu'il avait appelé dimanche soir, le dimanche soir. Et avec des échanges avec d'être à être. D'accord, Et et non ça c'est plus des nouveau. échanges de personnage à Ah, personnage. Et ça change Et tout. ça change tout, parce Eh qu'on n'est plus dans les mêmes oui. discussions, on n'est plus dans les mêmes Rencontre dialogues, authentique. Donc, rencontres ce qui authentiques. a été vécu aussi, c'est rencontre Oui, authentique, de cœur à cœur. de cœur à cœur, vrai, Oui. sans les Et masques, sans sans les les égos. masques, oui. Ah oui, donc ça touche beaucoup ça. Oui. C'était recherché. Ah, bah forcément que c'était recherché. Et surtout avec le vécu de Jean-Jacques, qui a vécu dans 2 ans et demi précédemment la fin d'une relation toxique, très toxique, où il prend sa part également de responsabilité, mais où à un moment donné ça laisse des traces. Donc ça a Et guéri des choses ça a alors, guéri aussi du des coup. choses au niveau du cœur. Oui, ici c'est gentillesse et bienveillance. Oui. Et donc ça c'était accompli, ça dans le Oui, centre, tu l'as senti. ça a toujours eu beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Aussi, j'ai appris pendant ce stage la pratique de l'iléisme. Oui, parler de la Ouais, personne à la troisième personne. et ça, j'invite chacun pour désamorcer certaines Bien situations, sûr. à utiliser l'iléisme, Tout à c'est-à-dire, fait. par exemple, si je parle, pour donner un exemple, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'iléisme, si je parle de toi, Sébastien, je vais pas dire tu as fait ou tu, je vais dire Sébastien était dans cette situation et je parle de toi à la troisième personne. Oui. Et en parlant de toi à la troisième personne, du coup, je désamorce en fait le Exactement. jugement.
Par exemple, Sébastien figure le rime et il n'était pas cuit. Voilà, typiquement. Voilà. Donc je ne le prends pas personnellement. Voilà. J'irai en parler à Sébastien pour qu'il lise le manuel. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Ouais, donc c'est mieux. Mais les psychologues américains ont démontré que l'illéisme, dans les 24 derniers mois, c'était une belle pratique justement pour ne pas aller trop dans l'émotionnel et pour quand même pouvoir avoir des relations humaines beaucoup plus faciles. Ouais. Et donc j'ai beaucoup aussi de gratitude à Sébastien pour ses enseignements, car ok, il y a l'être, mais il y a aussi Sébastien à un moment donné qui fournit, qui nous donne ses enseignements. Alors je sais pas si c'est des enseignements, c'est des partages en fait. C'est pas vu comme des enseignements, mais plus comme des partages d'expériences. Alors une adaptation de ce que l'être lui canalise. C'est-à-dire que l'être canalise à travers Sébastien, et Sébastien, à un moment donné, il faut c'est être dans le concret. Sébastien qui canalise. Oui, pardon, Sébastien canalise l'être, et à un moment donné, après avoir canalisé l'être, là, il faut être dans l'interprétation. Oui, il y a une interprétation. Voilà. Ouais. Comme interpréter le chinois. C'est ça. Et il faut entrer dans un mode de process aussi. Donc, il faut une certaine créativité aussi de Sébastien. Ah oui, il y a un travail d'interprétation, de conception. Hein. Ouais, d'interprétation. D'interprétation. Ouais, et aussi de création. Il y a 12 livres qui ont été écrits, hein, tu sais. Et en plus des stages. Donc là, cette journée-là. Ensuite, on fait des actes psychomagiques avec des structures. Et là, alors, tu travailles avec deux autres personnes du stage. Voilà. Et là, l'être me positionne avec deux autres personnes du stage. Pour faire une structure. Alors, une structure, pour dire, c'est avec des pierres, des bouts de bois et des feuilles, une représentation, hein. Oui. Un projet professionnel. Voilà, d'un projet pas forcément professionnel. Ou personnel d'ailleurs. Donc en fait, l'idée c'est en effet d'avoir une mission. Et on s'aperçoit que dans les structures, en effet, il y en a qui dérivent la structure parce qu'ils ne sont pas en phase avec leur être. Exactement. Donc voilà, donc de fait, être bien aligné avec l'être. C'est bien comprendre quel est l'objectif de la structure et de faire que la structure, qui est une structure faite de papier, de bois, on peut écrire, enfin c'est très créatif hein, d'ailleurs, cette structure représente en fait ce que l'être a voulu que l'on crée comme projet. Donc en l'occurrence, moi, la structure avec les deux personnes avec lesquelles j'étais était une structure liée à un projet, une vocation, à une structure liée à ma carrière, dans une évolutivité vers un projet personnel que je mature depuis pas longtemps, hein, depuis une ou deux semaines, comme quoi tout s'accélère très vite. Effectivement. Et ce projet, c'était matérialiser en fait ce projet à travers la structure. Et c'était bien de travailler avec les autres, t'as appris des choses, t'as reconnu quelque chose en toi ou pas, que t'avais peut-être pas perçu. Alors qu'est-ce que j'ai reconnu en moi? Alors déjà j'étais avec mon frère Loïc, donc comme on est câblé de la même manière, du coup ça s'est passé tout seul. Et dans notre approche avec la troisième personne qui était Catherine, tout était logique, puisque fluide. Et logique également. Aligné. Chacun, dès qu'il y avait une proposition, elle était présentée aux deux autres très rapidement, validée ou légèrement modifiée avec les. Voilà, donc tout tournait, tout allait vite. Un vrai travail d'équipe. Et donc le choix du lieu, le choix des matériaux, le plan de départ pour dire par rapport aux trois projets liés à la structure, comment on va mixer en fait les trois objectifs, parce que chacun avait un objectif différent. Et que la structure représente l'objectif des trois, et à travers un objectif commun, à travers une structure commune, et aussi en mettant chacun sa touche personnelle, qui est la fin, la finalisation de la structure. Il y avait du plaisir à travailler à trois. C'était magique. C'était co-créé en fait. C'était co-créé. Magique. Okay. Ouais, c'était magique. Et c'était magique, et ça permet aussi de commencer à ancrer dans la matière. Cette étape de courage qu'il faut avoir pour devenir entrepreneur, ça pour me concernant, pour les autres ça a sûrement été d'autres choses, ils ont vécu d'autres choses, mais cette étape de transformation
me transformer, j'ai jamais été entrepreneur, me transformer pour devenir entrepreneur, c'est comme si j'avais posé les bases de cet entrepreneuriat et que bah déjà en fait c'est comme si j'avais déposé les statuts en fait, mais dans une structure qui représentait les étapes pour aller vers le projet. Donc nous, ce qu'on a modélisé clairement, c'est un chemin initiatique. C'est une structure pilier avec une base, une pierre angulaire en termes de base, parce que c'est la fondation. Un cœur posé sur de la paille pour dire pour donner l'importance de l'humain dans notre projet. Au cœur de l'humain, en fait. Voilà. Au cœur de l'humain, on y est. Le cœur et la représentation de l'émotion qu'on met dans l'entreprise et la manière dont on veut que les employés perçoivent la vision qu'on a de cette entreprise, quelle que soit l'idée en fait derrière, peu importe Et l'idée. l'ADN de leadership qui est en toi, est-ce que tu l'as vu ou pas? Alors oui, je l'ai vu. Alors après, ça, Ça vraiment, c'est apparu brillamment, je dirais. Ouais, alors en fait, c'est vrai que Oui, est-ce que c'est reconnu maintenant chez toi ou pas Ouais, encore totalement? c'est une excellente question, ouais, parce Ben, je que sais. Il est clairvoyant. c'est clair, parce qu'en C'est fait, la question. c'est la question, parce que en fait, je pense que Jean-Jacques ne s'avouait pas ce leadership. Exactement, c'est dit. Voilà. Mais là, c'est évident aux yeux de tous, c'est évident à mes Ouais. yeux. Et c'est un leadership assez rare qui fait les leaders d'entreprise, mais aussi les créateurs d'entreprise et les leaders de groupe, en fait, tu vois. Donc c'est très intéressant de le voir, de le De l'assumer comprendre, de aussi, l'assumer, parce que ça va être utile pour la suite, en fait, hein. C'est ce côté je fédère, un côté rassurant, protecteur du leader qui se débrouille entre guillemets pour que tout le monde aille dans la même direction, qui unifie. Ça, c'est vraiment dans l'ADN et ça a été découvert pendant le stage. C'était beau à voir, hein. Et ce qui s'est, en fait, je pense qu'il y Rallier, avait un hein, il y a un déni, truc qui rallie en toi. il y avait un déni parce que Jean-Jacques Sais pas pourquoi. a déjà eu des équipes de personnes à manager avec un PNL, donc une business unit à gérer avec 15 personnes et un chiffre d'affaires à réaliser, donc comme mini entreprise. C'est pareil. Le truc, c'est que Jean-Jacques, malgré tous les feedbacks positifs qu'il pouvait recevoir à ce moment-là, était dans le déni complet de sa valeur. Voilà, il y avait un truc à continuer à travailler sur accepter d'être ce que je suis, sans pour autant que ce soit l'ego qui s'en empare, mais juste l'ego qui s'abandonne à l'être. Jean-Jacques qui s'abandonne à John, et John est. Mais si John est naturellement leader, mais C'est c'est ok, ça. c'est pas grave, c'est pas. Ah oui, il y a une confusion enlevée entre être leader et être égoïste. Mais ça, voilà, c'est les mantras des affirmations. On le fera. Il y a des petites choses Et à. ce que John ressent là comme ça, c'est qu'il y avait une histoire de fausse modestie. C'est ça. Il y a une confusion entre égoïste et leader. C'est ça. Alors qu'il est possible, et le monde en a besoin en ce moment d'ailleurs, des leaders qui ne soient pas égoïstes. C'est-à-dire des leaders qui s'abandonnent à l'œuvre, à l'idée du projet. Tu vois? Et Exactement, ça, c'est bien parce que ça s'appelle des leaders éveillés, en fait. Il est possible d'être leader en étant désidentifié de l'ego. Parce que c'est pas pour l'ego, c'est pour le soi, c'est pour l'être. C'est-à-dire que c'est le projet dans l'intérêt du plus grand nombre avant l'intérêt personnel. Tu vois, c'est ça l'étape qui est en train de. Et ce stage m'a permis de voir ça, en fait. Et donc chacun voit des couleurs de soi, des composantes qui n'étaient pas forcément assumées ou vues. Voilà. Et donc ça, c'est bien. Et pour ça, j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de Sébastien, parce que j'ai découvert en fait une forme de stage où justement, c'est moi, ça m'est complètement adapté dans le sens où en fait, il y a beaucoup de spirituel, mais il est sous-jacent, c'est-à-dire qu'on le Oui, nomme jamais. Ça, je pense, c'est il est important. jamais en avant, il est en arrière-plan. Et en plus, on utilise des mots du langage courant, on n'essaie pas Oui, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'ego spirituel, il n'y a pas de. Ça, c'est super, c'était, c'est, ça, c'est super important.
Et je me rendais pas compte de l'importance de ça. Si je m'en suis rendu compte, parce qu'à un moment donné, moi, je suis allé dans un ego spirituel de fou, à l'inverse de mon côté cartésien, mais il fallait explorer les extrêmes pour revenir au centre. Et ce stage me correspondait complètement parce que, en fait, j'étais vraiment là, dans mon élément, justement, de remise au centre entre le cartésien et le. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièges dans le chemin spirituel, hein. C'est le piège de tomber dans un ego spirituel qui va créer beaucoup de dogmes, de règles et de limitations, et donc c'est de nouveau un autre piège. Et en fait c'est vrai que de plus en plus nous allons dans le réel, j'appelle ça le réel. Il y a ce qui est pas réel, donc la matrice, l'ego d'ailleurs n'est pas réel non plus, la personne n'est pas vraiment réelle. Et plus vous allez aller dans l'être, tous, et plus vous allez aller dans le réel. Le réel, c'est le potager, hein. T'as goûté comme nous. On va chercher nos tomates, nos salades, notre mesclun, on cueille, on le mange un quart d'heure après. Ça a plein de goût, plein de vitamines. Le système économique peut s'effondrer. Notre réel restera réel. Tu vois? Et je fais référence à celles et ceux qui sont dans les villes. J'ai rien contre les villes, mais les villes créent une espèce de dépendance, en fait, à l'irréalité, où bah, s'il y a les magasins qui sont fermés, plus personne ne mange. Et puis personne ne sait comment planter des tomates. Et peut-être que personne n'a jamais mangé des vraies tomates, d'ailleurs, comme nous. Nous, c'est des vraies qui poussent, qu'on a mis avec de l'eau de source, et qui n'ont pas du tout le même goût, hein. Tu remarqueras. Donc nous sommes dans le réel, donc il n'y a pas besoin de Elles n'ont pas le dogme même goût spirituel. parce que les tomates que tu achètes dans l'industrie, tu t'as que des carcasses en fait, t'as que le squelette, alors que là tu as des vraies tranches de Elles tomates. sont pas plantées dans la terre, elles sont plantées hors sol avec de l'eau. Donc ça a le goût de flotte, c'est dégueulasse. Nous, ça vient de la terre, en plus de la bonne terre, du bon terreau, en plus en permaculture. Et puis ça, c'est ça. Et puis il y a 20, il y a 15 variétés de tomates. Donc et puis tomates cerises, oranges, rouges. Enfin vraiment, il y a de tout. Donc du coup, c'est ça le réel. Le réel, c'est la nature. Le réel, c'est les émotions. Le réel, c'est l'amour. Le réel, c'est les relations entre les gens, entre nous. Voilà, nous sommes dans le réel. Donc l'éveil, c'est pas un truc spirituel, c'est aller dans le réel. Et donc il n'y a plus besoin de spiritualité, puisque le réel est extrêmement matériel en plus, c'est ça qui est marrant. C'est très concret, tous nos jeux, hein, t'as vu? C'est très ancré, très concret. C'est pas des méditations pour se percher, c'est des méditations pour se libérer et pour s'évader de la personne. Du coup, c'est très concret, puisque là, bah, du coup, il y a eu des transformations, hein, forcément. Hein? Donc Clairement. le titre est bon, Éveil et transformation. Le titre est parfait. Là, en l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est passé. Éveil, hein. Rapide, En plus, c'est transformation rapide. rapide. C'est vrai que c'est rapide, j'ai oublié de le dire. C'est de plus en plus rapide d'ailleurs. Et le satsang du vendredi après-midi, c'était comment? Le satsang, moi, ça m'a permis de poser des questions ou d'écouter les questions des autres pour éclaircir en fait des concepts. Je pense qu'à un moment donné aussi, c'est toi, C'est bien de comprendre. c'est voilà, c'est la connaissance. Donc je dirais qu'il y a la connaissance à travers les satsangs. C'est comme si en fait t'accélérais aussi la connaissance que tu pouvais avoir à travers des livres, mais c'est en groupe et du coup bah, à travers 2 heures de satsang, en fait on va par exemple avoir la même échelle que au lieu d'avoir un livre que tu vas lire pendant un mois. 3 semaines, peu importe, mais C'est du vrai. coup t'as le même niveau d'échelle, donc accélération en fait de la connaissance et que tu peux mettre en application derrière, puisque l'être c'est vivre les expériences, et donc cette connaissance, ben, elle est applicative, elle peut être mise en application très rapidement. Et pourquoi ici il y a un ratio de 1 à 30 dans le temps qui passe d'après toi? Pourquoi on a l'impression de vivre un mois au lieu d'une journée? Sur une journée, c'est un mois. C'est une excellente question. Je me connecte. John se connecte au cœur. Il entend le mot fertilité. Le terreau. Mais c'est l'environnement en fait. Ouais, l'environnement. En fait, ce qui se passe, c'est que En fait, il y a plusieurs choses. C'est l'intensité des émotions. Donc, plus nous vivons des émotions intenses ensemble, plus en fait nous vivons de choses. En fait, techniquement, le taux vibratoire augmente. C'est l'être qui vit le stage et non plus la personne. Et l'être vit tout 1000 fois plus intensément.
ou 30 fois plus intense. Ce que je reçois là, c'est que du coup, pourquoi, en fait, le taux de démultiplication est lié au nombre de participants du stage. Exactement. Puisque si j'ai 20 participants, je vais aller 20 fois plus vite. Pourquoi? Parce que les êtres se connectent tous ensemble à travers leur cœur. Mmh. Et du coup, en fait, l'être, donc John, utilise les 19 autres êtres. Les 19 autres John. John. En fait, il n'y a qu'un seul être à la fin. Il n'y a qu'un seul être à la fin, il n'y en a qu'un. Mmh. Donc, en fait, il y a 20 John, il y a 20 Jean-Jacques. Mmh. Mmh. Et donc 20 John, et enfin un seul John en fait, mais à travers 20 Jean-Jacques. Et du coup, ouais, le taux de démultiplication, c'est celui-là en fait. C'est ça la fertilité, c'est qu'il y a cross-pollinisation. Oui. C'est vraiment, ça se pollinise en transversal à travers les autres personnages. Alors dernière question, d'après toi, c'est pour quel genre de personnes ce stage? Tu conseillerais à quel genre de profil? Alors moi, pour ceux et celles qui se demandent, est-ce que c'est pour moi ce stage de transformation et d'éveil En fait, clairement, cette semaine, nous avions tous les profils. Nous avions de 20 à 70 ans. C'est vrai qu'il y avait tous les âges. Hein. De 20 à 70 ans, des hommes, des femmes, des chefs d'entreprise. Oui, beaucoup de chefs d'entreprise, c'est vrai. Des gens comme on peut trouver typiquement dans effectivement ce type de formation habituellement thérapeute. Mais moi, bah, typiquement, je suis dans une entreprise informatique américaine. Des gens qui sont dans professeurs de karaté, des gens dans à la retraite aussi. À la retraite, des gens de tous les milieux, des étudiants, étudiants 20 ans, 21. Donc pour moi, en fait, ce stage, il est accessible à tous. Je dirais que le seul prérequis que je mettrais, et encore si c'est un prérequis à mettre, hein, parce que là je mettrais une limitation et je sais même pas si, bon, je vais quand même en parler, mais ça serait quand même d'avoir un minimum d'éveil, d'arriver en éveil, parce que sinon, ce que je reçois là, c'est que s'il n'y a pas cet éveil minimal, ça peut produire l'effet inverse par rapport et potentiellement dégoûter la personne, ou parce que les autres ont cet éveil minimum, et du coup ça peut faire que la personne se renferme et du coup ne s'éveille plus du tout. Donc un minimum de désidentification de l'ego en fait. Ouais, c'est ça. D'avoir compris quelques concepts clés d'avoir eu quelques lectures par exemple à minima ou potentiellement, parce que pas forcément avoir fait un autre stage avant, hein, parce qu'il y avait des gens qui sont arrivés, c'est leur premier stage. Hein. Mais par contre, j'ai senti en eux que c'était de toute façon tous ceux qui vont vouloir venir ici, c'est parce que en fait c'est un appel. C'est un appel. Voilà. Donc c'est pour ceux qui ressentent l'appel, peut-être. Voilà. Ouais, exactement. C'est ceux qui ressentent l'appel. C'est ça. Ouais. Dans le cœur. Dans le cœur et dans le cœur, ouais, complètement. Ouais. Oui, parce que l'appel, c'est ce que tu as fait. Hein. Ouais. C'est ce que beaucoup ont fait. Ouais. Il y a comme un appel. Donc c'est déjà un minimum de connexion à l'être, un minimum de guidance. Oui. Et après, c'est pour tout le monde, en fait. Ouais. Bah, ceci dit, oui, s'ils ne ressentent pas l'appel et qu'ils viennent, c'est bizarre aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc c'est pour tous ceux et celles qui ressentent l'appel. Ouais. Ok. Et pour qui ça ne serait pas, d'après toi, un profil où ça serait pas très adapté? Quel genre de personne aurait des difficultés par rapport à la gentillesse et la bienveillance, par exemple, tu vois? Bah, en fait, c'est simple. C'est des gens qui viendront jamais. C'est les êtres que à énergie basse. Pour ceux à qui ça parle, voilà. Ceux qui seraient trop négatifs. Voilà, ceux qui dans le plaintif, dans le négatif, dans l'identification, dans l'ego. Donc dans le narcissisme, dans l'ego, mais c'est des gens en fait ils s'en aperçoivent pas forcément. Ouais. Et du coup à part une manipulation pour venir dans un stage comme ça pour essayer à but manipulatoire des autres. Mais je pense que ces gens ne seraient même pas là parce que l'être identifierait automatiquement. Ah oui, c'est déjà arrivé. Ouais. Et c'est trié. Hein. Ouais, il serait trié à l'entrée. Donc, donc il faut aussi mettre. Oui, c'est pas pour les manipulateurs. Hein. Sécurité aussi, parce que je voudrais renforcer aussi la notion pour ceux qui nous écoutent qu'il y a une sécurité dans ce stage. Sécurité au niveau de la bienveillance, au niveau. Ça, c'est important de mentionner. C'est poser la gentillesse et la bienveillance. Ouais. C'est vrai que c'est mon rôle, effectivement, de vérifier que ça soit de la communication non violente, communication consciente, et que mais ça marche bien en fait depuis que c'est posé.
Effectivement, donc c'est pas pour les manipulateurs ou c'est pas pour les pervers narcissiques, c'est pas pour ceux qui veulent remplir leur tête aussi, parce que c'est plutôt un stage de cœur, d'amour et d'émotionnel. Donc c'est pas un stage pour remplir l'intellect, C'est clair. c'est un stage pour celles et ceux qui ont envie de vivre un éveil et une transformation intérieure. Oui, ouais, dans le sou, dans l'être, dans le soi. Bah oui, c'est pas du développement personnel non plus, effectivement, c'est pas du développement de la personne, c'est bien précisé, parce qu'il y a des gens qui veulent développer leur personne pour être plus, je sais pas quoi. Ah, acquérir des compétences, etc. Et Non, là, c'est pour vivre, c'est pour. pour être. En Non. fait, c'est un peu du développement personnel fois 1000, puisqu'en fait, en se désidentifiant de la personne, il y a l'être qui arrive, qui est lui 1000 fois plus fort dans tous les domaines que la personne. Donc c'est la couche d'après le développement personnel, en fait. Mais souvent, les gens font beaucoup de développement personnel pour s'apercevoir que, bah, il y a quelque chose d'autre, en fait. Donc ça peut être un début, le développement personnel, mais ensuite, il y a voilà, ces stages de transformation. Ouais, c'est ça. Bah, merci beaucoup pour cette interview et Bah, ce avec témoignage, hein. plaisir, merci de m'avoir demandé, bah de m'avoir convié à cette interview parce que j'ai vraiment grand plaisir à partager ce que j'ai vécu ici. Gratitude, merci Gratitude. beaucoup. On va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Merci à vous. Merci, gratitude, à À bientôt. bientôt. Merci.